et Twitch. On continue, rebonjour Twitch et bonjour YouTube. Nous sommes à Félicité, on vient de Cherbourg et il y a des choses à voir et à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Retourner à Félicité, j'y suis. On va aller chez... Attendez, c'est où qu'il fallait aller? C'était au Pokémon? Je sais plus. Récupérer un vélo, mais c'est pas... Non, le vélo c'est plus loin, c'est pas maintenant. Y a pas une chose. Y a pas un rapport avec la Pokémon là? Je sais plus. Ou avec la télé. Attendez, y a un truc à faire à Félicité, mais quoi? Déjà allé là. Attendez, je suis perdu. Je vais pas l'être bien longtemps, hein, mais je suis perdu pour le moment. Ah! Ok, d'accord. C'est bon. Ok, bon, un petit combat, petite... Allez, let's go. Premier combat à deux, c'est ça? Ouais, ouais. Et la team Galaxy. Chenipot et Nocérapie. Voilà, ça c'est fait. Avra qui continue de monter de niveau. C'était dur, punaise. C'était très très la difficulté. La team Galaxy. Ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon. Quand ils évoluent. Mais c'est de la folie, et comment peut-il croire une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Quoi qu'il en soit, tu t'es bien battu. Ok. Mais j'ai déjà eu un truc à évoluer en fait. Donc on peut en discuter si vous voulez, non? Autour d'un café, au labo, non. Ah, bonjour. Waouh, comment tu les as écrasés? Ils ont pas fait les malins longtemps. Ok, Amel. Je bosse dans l'informatique à Union Police. Pour te remercier de m'avoir donné une bonne leçon, je vais faire une sorte que tu puisses accéder à tes boîtes PC depuis 9. Mais j'y ai déjà accès en fait. Et des capsules bol, d'accord. C'est quoi des capsules bol? Vous pouvez les décorer. Je m'en contrefiche de ça. D'accord. Ça c'est une rencontre dans le de l'or que je trouve ça nul, mais vraiment. Je trouve ça vraiment très nul. Hein. C'est en mode. Ah bravo, on te donne accès à la boîte PC. Mais j'y ai déjà accès, ça sert à rien. Bon alors,
On va à la télé maintenant. Il y a des choses à faire à la télé, c'est important. Ça donne un effet quand ton Pokémon sort de sa Pokéball. Oui, c'est ce que je dis, ça sert à rien. Je vais diffuser des spots publicitaires à la télé. Ok. Okay. Oh, un guitariste. On se fait un combat. Ok. J'ai un rocker. Rocker aux cheveux longs, bien sûr. Il a un Nosferatu. Ah, il est niveau 16. Pardon, je... Niveau 16. Ok, très bien. Au secours. Au secours. Niveau 16, mon dieu. FR Beyond, hello mon... Oh mon dieu, bonjour monsieur, monsieur Daft, hein. Permets-moi de continuer à t'appeler comme ça. Comment il va le Daft? Ah, je suis empoisonné en plus. C'est le début, oui, c'est le début, tranquillement. C'est vraiment en mode, je prends mon temps, je fais plein de choses. Alors, de toute façon, il va crever lui, donc... quitte à... Hop là. Voilà. Adieu Nosferati. Oh, il prend un niveau, bravo. Au lieu d'avoir 3 points de vie, t'en auras 4. Nickel. Magikarp 12, bientôt Léviator, bientôt. Psychoquack, nickel. Est-ce que Psychoquack qui veut garder avoir combo griffe? C'est une bonne question. Bah oui, à la place de Mimique. Ou à la place de griffe plutôt, attendez. 40-100, 50, 18-80. À 2 à 5 fois d'affilée. Que là il y a 15 et là il y a 35. Je vais enlever quand même la Mimikyu. J'aime pas ce truc là. Ça m'intéresse pas. Mais vraiment pas. Allez, au revoir. Un PV, il a résisté. Hein. Il a résisté. Encore un Osperapsis, c'est vrai. Oui, on change de Pokémon de toute façon. Il va être KO. On va partir sur. Ouais, on va donner un peu d'XP à Lixi quand même. Un petit peu. Ça sera toujours utile. Super efficace, parfait. Parfait. Ça c'est moins parfait par contre. Pas confus, s'il te plaît. Non! Non, ne te blesse pas, s'il te plaît. Non! Oh, mais il s'est mis une claque tout seul, mais le pauvre, au secours. Regard noir. Très bien. Donc en gros, c'est jusqu'à la fin, Lixi. Bon. Mivy. On poursuit. Et l'autre qui fait Volvi au passage. Mais c'est quoi ce Nosferatu cheaté là? Heureusement, il prend 3 PV, mais... Pauvre Lixi. Allez, on y est presque. Le petit poison. Voilà, ça c'est fait, c'est placé. Et Lixi qui n'est plus confus. Bien. Une bonne chose de fait. Nixie qui prend un niveau. Melocric qui prend un niveau. Il fait un câlin à sa guitare. Ah! Il est empoisonné, mais il évolue. C'est bien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Ok, après singe de feu, voici singe de feu ninja. Ok, il veut apprendre Mach Punch. Très bien, après, on va apprendre Mach Punch. Et on va oublier... On va oublier la griffe. On va oublier la griffe, ouais. Le rock, c'est dans la tête, le combat aussi. Donc, les combats, c'est le rock and roll. Génialité. Cheveux verts, j'ai pas papoté avec toi. D'accord, avant ça, c'était le point karaoké, maintenant c'est un point combat. Alors, tout ça, c'est des combats, là? Tout ça, c'est des combats? Bienvenue à la loterie. Ah, vas-y, ouais. Go. Go, go, oui, bien sûr. Tant pis. S'il y a plein de combats, je devrais quand même aller au centre Pokémon, en vrai. Sinon... Sinon, ça va être la galère. Comme ça, on enlève le poison, on régène full pour ceux qui étaient vraiment mal en point. Retourne à la télé. Bonjour madame. Ah, on s'en fiche. Ça aussi je m'en fiche. Ah, c'est de la pub. Bon, on monte l'escalier, hein. C'est plus écolo que l'ascenseur. Là c'est des locaux télévisuels, télévisés même. D'accord, très bien, c'est gratuit. Ça, c'est... non, je veux pas prendre l'ascenseur, laissez moi sortir, merci. Classement de groupe se trouve dans la salle à côté des escaliers. C'est quoi ça? Je finis d'abord cet étage et après on jettera un oeil dans les salles cachées. Ouais, bon, ça c'est des stats, hein, c'est petit, quoi. Bonjour. Salut toi, comment ça va? Il est producteur télé, ok. Accepterais-tu de participer à un sondage? Quelle émission tu aimes regarder? Expert Pokémon, examinons, donne-moi ton type, je te dirai qui tu es. C'est une chanson du premier album musical Pokémon. C'est belle rêve. Et tous heureux, connexion Wi-Fi, c'était le code à rentrer pour faire les échanges à l'époque. Oui, allez. Voilà, c'est bon, on a accès au cadeau mystère avant l'heure. Sinon, il fallait attendre d'avoir le deuxième ou le troisième badge, je sais plus. Nickel. Bon, dis-moi, le sondage. Attrape ce Pokémon Affinity Fashion Street. Affinity, je trouve ça très rigolo comme jeu de mots. Un saut éclaircé, d'accord. Et si je te on rejoue ou... Non, d'accord, c'était juste... Bonjour madame. Si on échange plein de Pokémon, on a plus de chances de gagner à la loterie. J'ai que ça à faire. Bon, alors, les cadeaux mystères, on fait ça de suite. Bon, ça c'est... De suite les cadeaux mystères via internet et on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Et si je me trompe pas, il y a un œuf de Manaphy, il y a un skin de je sais pas quoi, et après il y a un code à rentrer
pour récupérer je sais plus quoi encore. Et il me manquera un code pour récupérer 12 bols que je n'ai pas encore eu, le code des bols. L'œuf de Manafi, oui, bien sûr, je le récupère. Et on va le mettre dans l'équipe le temps qu'il évolue. Parce que j'aime pas laisser les Pokémon dans des eaux. Et on récupère les fringues au passage. Alors, et enfin, via code, c'est un code pour tout le monde, hein. C'est pas juste un code juste pour moi, sinon je le mettrais pas à l'écran. C'est un code pour tout le monde, alors c'est spécifique, donc c'est BD pour Brilliant Diamond, SP pour Scintillant Pearl, Under, Ground, mais attention par contre, ce n'est pas un O, c'est un 0. Les I, les O ne sont pas dans les codes en général. C'est un code valable jusqu'au 31 mai 2022, sachez-le. Et on reçoit statut de Pokémon, ça va servir par la suite avec ces histoires de souterrains étranges. Le cadeau, c'est une statue de Tourtipous, de Wissicram et de Tiplouf. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc on sauvegarde de suite. Oui. Faut pas perdre ça. Manafi. Je voudrais avoir accès à boîte PC, voilà. Manafi, viens là. On va te mettre à la place de Abra temporairement. Mais vraiment temporairement. Le temps de le faire sortir Manafi de l'œuf et après je récupérerai Abra quand même. Bon, tout ça c'est fait. Je t'ai parlé à toi, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Donc maintenant on fait ces deux salles. Il y a du monde. Je gagne pas beaucoup de combats, mais qu'à cela ne tienne, je battrai le record du monde de capture, si tu veux. Quelqu'un a battu le record de capture, blablabla. Il a pas fini par paramétrer la machine. Si tu le dis. Parlons à la machine. On peut pas. Et ici, on peut pas. Bon ben allons ici. Hein. Ok. Bon, en gros, il y a une histoire de guilde, je suppose. Il y a une histoire de guilde. Une chaîne de télé où tout le monde peut participer, c'est notre vie. Tes exploits sont incroyables, grâce à notre chaîne de télé, on va parler de toi au monde entier. Enfin peut-être, disons que c'est possible éventuellement. Oui, donc en gros lui il me connaît pas, mais par contre ces journalistes stalkers me connaissent. Au secours. Il n'y a plus rien? Non, je vais pas prendre l'ascenseur. Bon, ben on prend l'ascenseur du coup. C'était rapide. On s'en va, j'ai pas besoin de heal quick qui que ce soit, je ne pense pas. Et maintenant, aller à Vestigion comme Robert. Et c'est là-haut, non? Attendez. Là, ouais, mais là, il faut un... Pour passer via Charbourg, il faut un vélo. Donc non. Il va falloir faire une étape à Floraville.
mais direction Floraville. Bon, on va pas pêcher à chaque fois, c'est pas drôle. L'agro des dresseurs. Tu as l'air plutôt faible comme dresseur, tu vas tenter ta chance contre moi. Allez, vas-y. Le Quenotor. J'en ai pas attrapé le Quenotor encore, j'y pense là. Si, je sais plus. Non, hein. Non, j'ai pas de Quenotor. Voilà. Désolé. On enchaîne, hein, on les enchaîne, on va essayer de faire ça vite. Deux Pokémon, c'est Éduin. Éduin ! Contre ! Magikarp. C'est un Magikarp. Pauvre Magikarp. C'est fait éclater, quoi. Un Nitourmi. Non, non, on reste sur ça. Niveau 5. Ça change du niveau 16 du guitariste, hein. Qui m'a donné le premier Pokémon? Bah, techniquement, je l'ai volé, donc. Tout droit ici. Yes. Accepterais-tu de te battre contre moi par hasard? Oui. Rapide, efficace, clair, net, concis. Le petit lancer de cheveux. Ah, ça commence à parler de B. Faudra faire gaffe à ça. Chemin rocheux, génial. Des rochers bloquent le passage dans la caverne. On pourrait les... Ah, bah oui, bah avec la troc. Pardon, pardon, un Pokéball. C'est un antidote, oui. À gauche ou à droite? Mais non, mais... Bah non, non, en fait, non. Si je suis là, c'est pour faire la grotte, en fait. Même si j'aime pas les grottes. Le Nosferapti. Et le racaillou. Oh mince. D'accord, c'est son talent, je ne savais pas.
techniquement, je peux passer sans. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mince, je suis allé trop vite. Oh punaise, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la confusion. J'ai eu très très peur de la confusion. Tombe roche, c'était 39, d'accord. Je vais pas pêcher, je vais encore tomber sur des Magikarp. C'est pas intéressant. J'en ai déjà un. Okay. Il y a un truc là-haut. Il y a plein de choses là-haut en fait. Mais la logique c'est qu'il faut aller en haut. Donc, non, donc on descend. Oui, c'est ça, on descend. Bonjour jeune homme. Entraînes-tu différents types de Pokémon? Oui, donc en gros, sous-entendu, fais une équipe équilibrée. C'est comme pour manger, manger équilibré. Voilà, c'est fruits et légumes par jour. Nous allons combattre le doux parfum des fleurs. Pokémon plante, je suppose? Aromathérapeute, oh oui, Pokémon plante, oui. Ah, c'est terrible. Non, non, je garde. Regarde mon singe de fou là. Mmh. Il faut aller au centre Pokémon, madame, avant de passer à la télé. Lui il a des insectes, sûr. Ouais voilà, tiens, mange. Allez. Les Pokémon insectes. Il en a deux. Un Krixik. Mais je pense que j'ai déjà mon Milotic. Il est plus fort que lui. Allez, on va le faire un petit barbecue là. Truc grillé. Insecte grillé. Ça fait des protéines. Et un chenipote, chaque génération a son chenipan, j'ai envie de dire. Voilà, efficace et pas cher. C'est le Wistikram que je préfère. Pendant ce temps, dans son œuf, Manaphy prend son temps pour sortir de sa coquille. Je sais plus à combien de pas Manaphy, enfin n'importe quel œuf d'ailleurs, sort de la coquille. Je ne sais plus du tout. Pardon, je passe, merci. J'ai vu le petit passage. Une balle graine, ok. De mémoire, c'est une chose intéressante, balle graine. Je pensais avoir été assez large, mais non. Ok. Double combat. Double combat, c'est parti. Bonjour Capability Games. Bonjour, comment vas-tu? Oui, oui, je suis là. Enfin, c'est plus Jake, il va s'en rendre. C'est la chaîne. Alors, nous avons un Pachirisu et un Pachirisu. C'est faible ou fort à quoi ça déjà? Je vais aller sur du point boost. Je ne sais pas. Pendant ce temps, Magikarp, non. En fait. Donc, go Milotic. Mais au moins, Magikarp prendra un peu plus vite. Et ça, c'est une bonne chose. On veut Léviator. Bon, petite attaque. x2. Le point boost.
Et enfin... Non, je vais faire un Mac Punch. Le Mac Punch, on va le faire... Bah on va l'achever, ça fera un mois. Il y a une sur... Ouais, plutôt sur 20 sec sur l'autre deuxième pari. Ah mais ça touche les deux. Ah mais c'est très bien ça, parfait. Donc lui, ok, fini. Ah mais je l'ai mis KO. Bon, on verra pas que ça touche deux Pokémon. C'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. Je ne savais pas. Donc sur 20 sec, peut toucher deux Pokémon. D'accord. Et Magikarp prend un niveau. Parfait. Ah, Mivy quand même. Mivy. Oui, ça fait plaisir, Luffy. Ensuite. Vous finissez. Oui, bah on continue, hein, on continue. La même chose. Et voilà, on va terminer. Mais le crit prend un niveau, Psycho Quack prend un niveau. Va falloir que je monte Psycho Quack par contre, je pense. J'aimerais beaucoup avoir un Psycho Quack, donc un Aqua Quack de très très bon niveau. J'adore ce Pokémon. Contentes, elles ne sont pas contentes. Bon, alors je veux être aussi forte que toi. Très bien. Ah bah tiens, elle est pas contente. Qu'est-ce qu'elle disait, sans blague. Et là on a un buisson qu'on peut pas grimper, ce sera plus tard ça. Tac, on passe. Où sommes oh, bah, déjà Floraville. Ok, d'accord. D'accord, je pensais que c'était un peu plus loin. Très bien. Il y a des gens à qui parler. Pour l'instant, c'est pas, c'est du blabla. Vestigion, je crois qu'il y a une grosse forêt à traverser avant d'y accéder. Et là, on nous dit vraiment aller chercher des baies parce que les baies, c'est important et intéressant. Mais bon. Trop de systèmes. Voilà. Bon. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Zadia, très bien. Le club mondial, qu'est-ce que c'est? Si vous avez un abonnement payant au Switch Online, vous pouvez affronter des dresseurs du monde entier et échanger des Pokémon avec eux. Okay. Non, c'est bon, ça ira. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, en vrai. Je suis pas très... Pokémon pour moi, surtout ma petite aventure solo. Donc. Bon, on va soigner, hein, tant qu'à faire. Il n'y a pas grand chose à soigner, mais bon, 3 PV, c'est toujours 3 PV de gagner. En vrai. C'est bon? Allez, nickel. Ok. On visite la petite maison sur la droite. Les Pokémon doivent avoir un odorat bien développé, car ils peuvent sentir le parfum du miel de très très loin. Bon, en gros, je vais supposer qu'on va avoir du miel dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il nous raconte, du coup? Qui c'est qui... Quoi? Attendez, je l'ai lu trop vite. Je l'ai lu trop vite, reviens! Non, ça a changé! Punaise, c'est pas grave. Fiche-moi la paix avec les baies. Fiche-moi la paix. C'est carré comme dit Lone, d'accord. Ouais, c'est carré. Donc. Parlons au PNJ. Bienvenue, c'est la ville des fleurs, tout ça. Plante les fleurs c'est génial, c'est rigolo. On va parler à lui. Je voulais cueillir quelques fleurs. Mais la Team Galaxy a débarqué. Ah! Et ils sont partis. D'accord, donc il y a un rapport avec la Team Galaxy ici. Ce qu'il disait, ça disait combat, bat le type assis. Ah oui, oui, en effet. D'accord, le poète. Bonjour le Wadios, comment il va? Est-ce qu'il a bien dormi, Wadios? Si je pomponne mon Pokémon, blablabla.
Oui, bon, en gros, c'est concours de beauté de Pokémon. Et on peut pas acheter de bénis de ruban dans les boutiques. Très bien. Très très bien. Ah mais on l'a déjà lu ça. On l'a déjà lu, on l'a déjà lu. Là, il y a personne. Ok. Fleuriste, un bouquet de couleurs nous offrant des baies gratuites. Okay. Mais on parle d'abord. D'abord on parle. Les baies c'est compliqué. On peut les récolter. Ah oui. Oh mon dieu, ce jingle. Ce jingle. Ça me fait penser à une vieille émission de radio. Très très vieille émission de radio. Alors, oh c'est beau, oh, c'est beau, c'est plein de couleurs quoi. Si tu plantes des blés, tu auras besoin du quaka arrosoir, pardon. D'accord, donc en gros faut planter et arroser. Le principe même des fleurs quoi. Oh une poubelle, ah, elle est vide. Une seule baie suffit, ok. Je dois reconnaître que ça, ça n'a pas vraiment une de mes préoccupations. Ça. Bonjour madame. Vous aimez les sauts, faisons des échanges. Non. Je m'en fiche. Mais du coup, ça veut dire que je vais devoir mettre l'arrosoir sur. Un raccourci. Cligner le notif au passage. Et oui, c'est ça. C'est faut le mettre sur le raccourci quoi. Comment on fait déjà? Comme ça. Droite. Ok. Si si prends les sauts. Ah bon? Mais pourquoi? Mais c'est que de la cosmétique, ça m'intéresse pas. Ben dans tous les cas, j'ai pas la monnaie. Mais oui, voilà, c'est que de la cosmétique sur les disco balls, je sais pas quoi là. Je m'en fiche un peu de ça. Là. Allez, l'arrosoir. C'est tendancieux vu de dos, pardon, mais... Bon, c'est bon. C'est long. Allô. Ok. On refait. J'avais oublié que c'était du troc, mais c'est pour les concours. Oui, c'est pour les concours de... du show, je sais pas quoi, là, mais c'est que du design, donc... Je joue pas à Pokémon sur, d'une manière générale pour du design. Ou du skin plutôt. Plutôt du skin, ouais, on va dire ça comme ça. Décorer une Pokéball, je m'en fiche un peu, ouais. Mais complètement. Faut arrêter avec B en fait. Ah ! Ah, je savais pas. D'accord. Je croyais que ça s'arrêtait tout seul. On a fait la partie droite. J'adore ces trucs-là. Les petits prés comme ça, je trouve ça magnifique. Je t'ai parlé à toi. Oui, c'est. Donc là, on est sur le chemin. On parle à la madame. Les gracidées, qu'est-ce que c'est? Des fleurs pour la gratitude. D'accord. Il y a un mélophée. Fleur à ville était une corée, blablabla. D'accord. En gros, faites attention à la nature, elle vous le rendra bien. Quoi. Belle morale. Voilà, c'était la morale de Pokémon. Allez, bisous. Allez, vas-y. Et voilà. L'évidence même. T'es gentil à quelqu'un, il te donne une CT.
Bah, on va voir le. Non, je voulais voir le Pokémon, s'il vous plaît. Je veux voir le Pokémon. Mon Pokémon, non, ça, je regarde. La pub à la télé. Alors, on monte. On parle à la madame. Qu'est-ce que j'aime cet endroit? L'air d'ici n'est vraiment pas le même. Là, il y a eux, mais eux. Ah, c'est pas un combat. D'accord. Bon, vous, on va vous retrouver plus tard, vous. Très bien. C'est bon le miel. Très bon le miel. Et vous deux, alors vous deux, si je les ai fait en dernier dans la visite de la ville, c'est volontaire, évidemment. Tout simplement parce que il y a des choses à savoir, eux deux. Alors je sais plus dans la version originale, dans les versions originales, ce qui se passait, mais là spécifiquement sur la Switch, quand on parle à lui, il nous donne un Mew ou un Jirachi, je sais plus lequel des deux, à condition qu'on ait déjà une save d'un jeu. Pokémon épée bouclier et Pokémon Let's Go Evoli Pikachu. Et elle donne le Mew ou le Jirachi de l'autre jeu et de l'autre save. En gros, faut avoir une save de ces jeux-là pour que ces personnages-là nous donnent gratuitement, comme ça, un Mew et un Jirachi. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc voilà Jirachi. On l'envoie dans la boîte PC. Je ne vais pas les mettre dans l'équipe. En plus ils sont de bas niveau je crois. Mais voilà, on va essayer de faire ça correctement. On les met pas dans l'équipe. Et voilà le Mew. Non, je veux pas le mettre dans l'équipe, je veux aller dans la boîte PC. Non, c'est pas grave. Dans la boîte PC. Voilà. Pendant ce temps, Manaphy n'a toujours pas éclos. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et il faut aller où maintenant? À Vestigeon, comme Robert. Mais la forêt, elle est bloquée. Donc, on va à droite. Ah, oh, il y a encore des baies. J'adore ce jingle. Mais vraiment. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide en appuyant, en effet, oui. Oui, eh bien, je veux. On va mettre... Ça soigne le poison. Le sommeil. La para. On va plutôt mettre le poison. Je trouve que c'est plus embêtant le poison en vrai. Info gratuite, il a neigé un peu. Oh punaise, sérieux? Il fait si froid que ça. Je me suis gelé ce matin déjà. Il faisait deux ici, je crois, quelque chose comme ça. Chez Ando, camarade, et apparemment, il a neigé aussi. Il est d'Orléans et apparemment, ça a neigé. Oui, j'appuie sur B, j'ai oublié. J'espère qu'il va pas neiger ici chez moi en fait. J'aime vraiment pas. Quand ça neige chez les autres, je m'en fiche un peu. Mais quand c'est chez moi, ça m'embête. Ou alors, il faudrait des vacances à la montagne et là, la neige, là, je dis oui, mais tous les jours. Mais pas chez moi. Sinon, je suis bloqué. Déjà que je me déplace qu'à vélo. S'il y a de la neige, je peux pas prendre le vélo. Et en plus de ça, il n'y a pas de train. Quoi. Donc, la neige ne tombe que si ça se réchauffe au-dessus de zéro. D'accord. Je suis pas très calé sur ça. Alors, blabla, parc éolien. Les gens habillés comme des extraterrestres, pardon. Ok, donc on va revoir la team... Ah bah ils sont là-haut, tiens. La team Galaxy. Mais avant ça, il n'y a pas de choses à récupérer dans un champ. Oh bah tiens. Pardon, je voudrais passer. Merci. Une potion. D'accord. Bonjour.
D'accord. Ah, il n'y a qu'un Pokémon. Oh, ça devrait aller vite quand même. Un Chaglam. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. C'est ridicule. Rendez-nous Miaouz. Vraiment. Ou un Persian, Persian. La classe. Mais ça, Chaglam. Lixie prend un niveau. Chimpanfeu prend un niveau. Donc ça, c'est bon. Combo griffe. À voir. J'ai déjà quelqu'un qui a combo griffe, mais. J'hésite à enlever provoque. J'hésite beaucoup. Et en même temps, provoque, ça va m'être très utile, mais uniquement sur la fin du jeu. Donc bon, il évolue en chat. Chaglam évolue en chaffreux, je te laisse. Chaglam, chat un peu glamour. Là, il avait l'air quand même d'être en mode stylé beauté. Chaffreux, ça va être un chat dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'un chat beau deviendrait un chat affreux? Je suis curieux du coup, je suis très curieux. Bon, ma combo griffe. Ou alors on ira chercher quelque part une CT provoque. On verra. La provoque, je la garde derrière une oreille. Pour l'instant, je m'en fiche. Elixir prend un niveau. Oh! Oh! Très bien! Il a pas juste fait que prendre un niveau. Voilà, c'est Simba. Lixie devient Luxio. C'est Simba. Quoi? Il n'y a qu'une seule autre clé. Ce sont... Oh oui, d'accord. Ok, vas-y, enferme-toi. Mais on va aller chercher tes collègues. C'est pas grave. C'est pas grave, on va aller les chercher. Punaise. La pub qui pop, quand t'as dit oh, du coup, pas d'évolution pour moi. Oh mince. Bah, c'est Lixie qui a évolué en Luxio. C'est pas de. D'accord, allez. Bon allez, donnez-moi la clé vous là. Ben. Une minute, attendez. C'est pas eux ? Très bien, allez, bon, le combat, la cinématique, donne-nous ton miel. Voilà, il y a des gens sur Terre, ils font du trafic de drogue, dans des jeux vidéo, ils se disent, tiens, on va faire du trafic de miel. Ah là là, bon, en vrai, le trafic de miel existe vraiment, hein. Et même en France et en Europe, et c'est affreux. C'est plus du, c'est même pas du vrai miel, si on veut du vrai miel, il faut qu'il y ait une appellation miel, qui est... dans les ingrédients qui écrit que miel, qui n'a rien d'autre, sinon c'est pas du vrai miel. Et pour ça, le mieux c'est d'aller chez les producteurs. Et des gros producteurs locaux. Encore mieux. Allez, et d'un. Un Armulis. Tiens donc. Souvenir que dans je sais plus quel jeu Pokémon, mais j'avais pas aimé ces choses là, il m'avait un petit kiné. Hein.
C'est super efficace, donc tant mieux. Le tant mieux. On enchaîne. Ils auraient pu faire un double combat, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais non, un par un. Ils font ça un par un. Un Nosferatu en deux coups. Qu'on a sauvé du coup. Bonjour monsieur. On dirait qu'ils ont tombé. Ils ont laissé tomber. C'est la paix. Ok, c'est la clé. Bon, voilà, c'est la clé. Ce n'est pas le même papillon qui sort d'un Armulis ou d'un Blindalis. Mais ça vient d'un même chenille. Oh ! Ça, je savais pas. Ça, je ne le savais pas. Oh, un pot de miel! Arrêtez de parler de miel, je vais vraiment sortir le pot de miel, j'ai envie de miel. Non, tu viens de m'en donner, je vais pas acheter du miel, je vais pas déconner non plus. Oh! C'est très joli, vraiment je trouve ça, c'est très la détente, c'est très chill, j'aime beaucoup. La musique, les fleurs ou les pétales qui volent comme ça, c'est très poétique. Chenipote 3ème génération, d'accord. Attends, 3G c'est. C'était quoi les jeux 3G déjà? C'est noir, blanc? Non, c'est. Ça va me revenir. Bonjour monsieur. Ah, il y a un truc sur un stand Pokémon, ça doit être les news. Je me prends la pub au moment où j'arrive. Sérieux. Bon, bah on va mettre du miel. Hein. Voilà. Et maintenant? Pas de Pokémon, hein. C'est de l'arnaque. Remboursé. Bon, c'est pas... On va au parc éolien. Non, si c'est ça. Direction la centrale parce que j'ai la clé. Faut rentrer. Quoi? C'est impossible. Allez. Prévenir l'administratrice, d'accord. Il est parti à gauche, du coup on va à droite. Bah, y avait rien. Il n'y avait rien à droite. Bonjour jeune homme, excusez-moi, je voudrais faire un combat. D'accord, donc en gros, s'il a gagné, il avait une prise.
ils vont utiliser l'électricité pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Manafi! Très bien. On va lui dire bonjour quand même. On clean ça. Il est niveau 1. C'est un Pokémon de type eau. Il est un peu vaniteux, il aime manger des aliments acides. Éclos par la force du destin. Provenance, un endroit superbe. Il a Lumiqueux et Pistolet à eau pour le moment. Okay. Je vais le garder avec moi jusqu'à ce qu'on retourne au centre Pokémon, mais après je le remettrai. Il partira dans une boîte PC. Récupérer l'électricité du parc éolien. Mais oui, mais pourquoi faire en fait? À quoi ça va vous servir? Il y a un truc chelou dans les jeux quand même Pokémon dans l'histoire, c'est un mode les mafias, parce que c'est des mafias tout ça. Elles font un peu ce qu'ils veulent, en mode voilà, on pénètre comme on veut dans le bâtiment, et il n'y a jamais les forces de l'ordre qui viennent. Jamais. Ah pardon, j'ai pas vu. Comme dans Épée Bouclier, tu as accès à un PC portable dans l'onglet équipe VR. C'est vrai. Mais j'aime bien. Mais oui, c'est vrai qu'on peut faire ça sans passer par ça. Qui c'est Psycho quoi? Qui veut vivre à quoi? J'ai peur en te confus. On enlève la griffe. Manafi a pris 4 niveaux. Hein. Ça comme ça. Ah bah le chat glam, tiens. Non, en vrai, on va sortir Manafi. Parce que il faut EP Abra en vrai. Faut EP Abra. Hein. Voilà. Ok, l'ordi quand même. Très bien. Hop là. On va faire tous les combats, j'ai dit donc. Il faut pas aggro la rouge. Oh punaise. Faut passer par le dessus. Oh, attendez. Doucement. Non! Bon, bah il y a un combat qu'on pourra pas faire, je pense. Trois admins. Il y a une des trois admins, d'accord. C'est un deal. Deux Pokémon.
Non, pas ultrason. C'est un combat, madame, en fait. Donc, à partir du moment où tu me provoques un combat, combat. Hein. Quelque chose là, c'est Pokémon, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça a fait quoi? D'accord. En vrai, je le trouve stylé. D'accord, donc c'est ça un chafreux. Non, en vrai, le chafreux, je le trouve stylé. D'accord. J'ai réussi à mes chambres, inspecteur gadget. Oh la claque! Danger là! Le danger. On va y aller avec Luxio. XP pour Luxio. Pas tant que ça et il a une B. D'accord, mais du coup elle est consommée la B, celle qu'il a mangée, ou il faut y penser à chaque combat. Donc en gros il faut vraiment un stock de B assez important. Ah, il est paralysé en plus, parfait. Voilà. Ce qui est fort dommage, Luxray est un chien. Il n'y a pas assez de chats. Tu rigoles ou quoi? À part les chiens légendaires. Je pense qu'il y a quand même assez, il y a autant de félins que de chiens en vrai. Un Osferapi. Ouais. Go. Ah oui, c'est le Osferapi qu'elle avait rappelé. Un chien chat sur la 1G. La 1G en chat, il y a Miaouz Persian. En chien, il y a Caninos Arcana. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et après, les autres générations, je les connais assez mal, mais il me semble pas. Attends. Maintenant que tu le dis. Maintenant que tu dis, il y a quand même pas mal de chiens, ouais. Mmh. 7 ou 8 chats dans les milieux de Pokémon actuels sans compter les évolutions. Ah, mais c'était le... Pokémon en forme de ballon. Un Pokémon en forme de ballon apparaît chaque semaine devant le parc éolien, toujours le même jour de la semaine. C'est un Pokémon rare.
sachant qu'il y a un rapport quand même sur le cycle jour-nuit qui correspond à l'heure réelle. Si ça, ça prend en compte le vrai jour de la semaine, là on est samedi, il faudrait revenir tous les jours de la semaine pour voir s'il y a ce fameux Pokémon ballon. Attendez, c'était quoi ça? Non, ça c'est des nuages. Hein. Ça, ce sont des nuages. Centre Pokémon, de suite. Non, pas rare. Ah, dans ce cas, si c'est pas rare, ça doit être le Pokémon violet jaune, je sais pas comment il s'appelle. Qui ressemble à un ballon d'ailleurs. Par contre, pour revenir à la diffusion chien-chat dans les Pokémon, en vrai, ça manque. Avec le temps et les générations, de ce que je disais tout à l'heure en plus, je trouve que les lissages des Pokémon et les... Enfin. C'est de moins en moins. Les Pokémon, les nouveaux Pokémon sont de moins en moins dans un sens de souci du détail. Ils n'ont pas des corps qui changent de l'ordinaire. Ils sont tous un peu ronds, un peu avec des formes et des têtes qui pour attirer vraiment les jeunes générations. Alors que des Pokémon complexes comme, je sais pas, Kabutops, Insecateur, etc. On n'en voit vraiment quasiment plus alors qu'il y en avait vraiment beaucoup avant. Et là, on part sur des générations de Pokémon où ils se ressemblent tous en vrai, et j'aurais aimé beaucoup plus de diversité encore, il y a tellement à faire et je trouve que c'est mal pensé je pense. Bon, faut monter, c'est ça? Allez à Vestigion, voilà. On peut pêcher. Mais je vais encore tomber sur un Magikarp. Raté. Il n'y avait pas de Magikarp, c'est pas grave. Il y a du monde ici ou pas? Bonjour, combat? Eh oui, combat. C'est le combat. Un Ponyta? Sérieux? Il est quel niveau son Ponyta? 14. Psychoquack, tu vas prendre des niveaux. Oui, bon, si ça te fait plaisir. Il y a un cheval de base, ça ne rugit pas, ça inie. Ah, il enchaîne? D'accord. Pas mal. Allez, au revoir. Au revoir, Ponyta. Il y a eu des montées de niveau, comme prévu. Pokémon dangereux. Oh punaise, je viens de capter. On va pouvoir aller sur ces flots là et aller dans des zones qu'on connaît pas plus tard une fois qu'on aura, je sais pas, surf ou quelque chose comme ça. Donc à partir de là, je pourrais faire surf. D'accord. Ah. C'est un combat. Très bien. Quatre Pokémon ! Rakaillou. Je me demande s'il y aura 4 Rakaillou en vrai.
Un bras prend un niveau. Bonne nouvelle. Ah non, c'est... Il a pas 4 heures à caillou du coup. Hein. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Plus que 2. Luxio qui prend un niveau. Luxio qui est du même niveau que Singe de Feu maintenant. Ah la claque. Et un queue notor. Un queue notor. C'est que singe de feu. Bah en vrai c'est y a le petit c'était singe de feu et en vrai le nom que je lui ai donné tout à l'heure à lui c'était singe de feu ninja. Allez, on récupère l'objet, une capsule attaque. Okay. Ça sera pour la trompette de Magikarp, évidemment. J'aime les Pokémon qui sont bons. Mais oui, vas-y, des Pokémon plantes. Allez. Un Pokémon plante. Un rose bouton. Encore et toujours. Ah. Ah oui, il est niveau 14. Okay. Et puis pour toi qui prend un niveau. Ça, c'est... T'as vu comment il sentait bon mon Pokémon? Bah il est KO là. Il sent plus très bon. Hein. Il y a encore les machins là. Oh! Je prends! Et c'est juste une Pokéball là. Et là pareil. Voilà. Mais il y a du courant en plus là. Envie d'attraper encore des magiques. Les baies, on récupère. Plus l'arrosoir. Voilà. Quoi, pas maintenant? Ah, c'est pas planté, d'accord. Punaise, mais oui, c'était oui, oh là là. Voilà. Bon, il reste un là. Deux Pokémon. Ah ben Lixi tiens. Je vais faire en 3 fois Lixi je pense. Ah non, en deux. Ok, très bien. Un Pachirisu. Un écureuil.
Belle claque, ça. Une belle claque. Magikarp qui prend encore un niveau. Il apprend charge. Enfin, Magikarp va être un peu plus utile. C'est parti. Je ne sais plus à quel niveau il évolue en Léviator. Hein, par contre. Voilà. Ça, c'était tellement obvious. Okay. À nous. Ça a 3 PV, j'ai pas non plus tout perdu. Le combat. Un Onyx. Oh, même pas mid life. Ah ben voilà, là c'est plus intéressant déjà. Ouh, Etrenne ça fait mal ça en général. Bon ça va, j'ai eu peur. Ok d'accord, j'ai eu bien. Un niveau pour Milokrik, un nouveau niveau pour Abra. Berceuse, ça c'est chouette. Je vais enlever écrase face pour garder, pour apprendre berceuse. Et Abra encore un niveau. Très bien, bonjour Abra. Enfin, au revoir Abra du coup, et bonjour Kadabra. Allez, vas-y. Et il apprend choc mental. Ah voilà. Il va devenir utile. On a encore beaucoup de chemin, hein, je pense, avant d'arriver à la prochaine ville. Et beaucoup de combats. Thank you.
va falloir faire un moment donné retourner au centre Pokémon pour remettre toutes les techniques au maximum. Oh punaise, mais balayage, c'est ta attaque quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Combo gris. Voilà. Ah, rien du tout. Vers la forêt de Vestigion, d'accord. Bon, on va parler de combattre ce scout, ça c'est quoi? C'est un scout, c'est une scout. Un seul Pokémon. Ah non, c'est pas une scout, c'est une fan de pique-nique, pardon. Le type loup. Oh la claque. Ouh. Je pensais qu'il était full life, j'avais complètement oublié. Allez Kadabra, montre ce que tu sais faire. Voilà. Ok, apparemment il y a des cris de Pokémon. Direction la petite cabane. Qui c'est qui a ici? C'est quoi ça? Pourra traverser la forêt sans œuvre. Encore? Mais prévenez-moi quand vous me le filmez, je suis pas d'accord hein. Non mais sérieusement. Oh là là. Voilà. Stalké par la télé quoi. Au secours. Bonjour madame. Oh oui d'huile. Oui, soignez-moi, oui. Oui, je prends évidemment, oui. Quand même. Avant d'aller dans la forêt, je pense qu'on va partir vers le bas. Tac. Vers ici. Ah ben déjà on récupère une super potion, très bien. Non! C'est pas grave. C'est pas grave. On est à côté. Sur le dernier buisson quoi. Le dernier... Oh qu'est-ce que c'est? Un sac cookie. C'est quoi un sac cookie? Niveau 9. Je vais lui faire mal. Hein. On va essayer de l'attraper comme ça. Pen, attention. 2. 3. Il est capturé. Voilà. Sans combattre, parfait. J'ai capturé le sans cookie. Je sais même pas ce que c'est. Et des niveaux. Allez, la gratuité, quoi. Chimp en feu va prendre roue de feu. Oui. 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 Bah à la place de combo griffe du coup. Il y a je sais plus qui a déjà combo griffe. Je ne sais vraiment plus qui par contre. Donc bon.
Luxio monte au niveau 18. Ben ok, donc tout le monde veut apprendre des capacités. Quoi. Okay. Étincelle, 6500. Qui peut paralyser. Ben, ça serait plus à la place de éclair. C'est quasiment la même chose en fait. Quoique. Je vais enlever charge plutôt. Je vais enlever charge pour le moment. Ça sera plus simple. Les données de 200 coquilles ont été ajoutées. Il va dans une boîte PC. Bien. Là, il n'y a rien. Ça sera un chemin retour plus tard. Là, on en sort. Bonjour, jeune homme. D'accord, donc en gros il nous dit de faire gaffe quoi. Ok. Forêt de veste. Bon bah je vais pas là-haut, je vais directement dans la forêt. Ah. Bonjour, mon nom est Sarah. D'accord. Ok. D'accord, ok. Elle veut soigner les Pokémon, très bien. Il y a pas mal de combats normalement dans une forêt. Des Pokémon sauvages aussi. Et des choses sûrement cachées. Ça c'est caché. Ça il y a un truc caché là. Ah non. D'accord. Bah je ne sais pas. Là, oui, par contre. On prend l'antidote. J'en ai aucun des deux. Je veux les deux. J'en ai aucun des deux. On va tenter. Pardon. Impossible de viser quand... Ah ! Je suis obligé d'en mettre au moins un KO. Très bien. Eh bien, on va tester sur Chenipot. Ça, c'est fait. C'est violent. Hein. Psychoquoi qui prend un niveau. Et il veut apprendre entrave. Oui, pourquoi pas. Choc mental, il y a déjà Kadabra dessus. Et c'est lui qui avait combo griffe, c'est le petit groupe. Je vais enlever le combo griffe. Je préfère avoir entrave. T'appelles ça une branche voleuse? C'est flippant, on dirait un fantôme. Non, non, je veux le capturer, qu'est-ce que je fais? J'allais réattaquer. Non, non, je veux le capturer. Non, je veux pas. Non, je veux le mettre dans une boîte PC. Je suis allé trop vite encore une fois. Voilà. Mais j'ai même pas fait un pas. Deux chenipouettes, allez.
Oh, ça peut faire ça sur les deux. On va l'attraper. Dommage. Allez. Réessaye. Il veut pas, hein. Il a pas envie, hein. Mais attendez, mais il est tanky le vénard là. Il a 111 PV au niveau 15. Mais je veux un le vénard en fait. C'est bon, j'ai chenipot. C'est bon, on enchaîne. Ah, c'était pas un combat. Donc là où on y est allé, il faut passer par là. Là on peut pas y aller. Ah oui. Il y avait personne en bas ? Non, il y avait personne. Okay, très bien, là on les prend pas. Ça va directement être un KO. Retourner. Il a dit non, non, mais tu me frappes pas en fait. Kadabra prend un niveau. Parfait. Ah, double combat. Pokémon et un Pokémon. D'accord. Pachirisu, Shinipot, toujours. Paralysé. Ah, il a encaissé. Hein. Charmillon. Au revoir, Charmillon. Magikarp prend un niveau. C'est fait, c'est terminé. Ça, c'est bon. Il reste maintenant que le Parishirisu qui a un peu de vie quand même en vrai.
vénard qui est toujours inefficace. Est-ce que ça suffira maintenant la roue de feu du jeu? Oui, c'est pas. Non. Non. Normalement, prochain tour, c'est bon. Fontaine de vie, c'est quoi ça? Ah, ok, d'accord. Ah, oui, oui, c'est plus que d'huile. C'est. Ah, oui. D'accord, il me faut absolument le vénard. Je veux un vénard. Ça devient urgent. Et enfin, le Pachyrus du chaos, combat terminé. Mélocric monte de niveau psychocoque également. C'est bien. Alors, est-ce qu'ils vont parler? D'accord. Ouais, pas très intéressant. Alors, nous récupérons un antipara. Ah, ça va être un double combat encore. D'accord, très bien. Un Pokémon et un Pokémon. Un Abra et un Abra. Parfait. Ça devrait être rapide. Et d'un, il n'en reste donc plus qu'un. C'est quoi ça? Écosphère? Ça a l'air sympa comme attaque. Match rapide. On est bon. On parle de vieux château. Donc il y a un vieux château quelque part. Alors nous avons un Armulis et un Laporeille. Une Laporeille que je ne possède pas encore. Non, je ne possède pas. Je n'ai collectionné pas dans mon Pokédex. Je ne sais pas que ça veut dire. La roue de feu sur l'Armulis. Et vous voyez, vous avez vu peut-être dans le nom des Pokémon, là par exemple, Armulis avait un logo Pokéball rouge sur la droite de sa vie. Ça veut dire que je l'ai déjà capturé. Il est donc dans le Pokédex. Ce qui n'est pas le cas pour la forêt. J'ai failli l'attaquer. Et d'un en plus. Kadabra, niveau 18. On continue dans la lancée. Il y a un truc là. J'ai dit qu'il y avait un truc à récupérer. Je tombe sur des choses que j'ai. Ça fait de l'XP, hein. Faut voir le bon côté des choses. Ça fait de l'XP. Ça lui fait plaisir de prendre un PV et on va lui donner. C'est pas un problème.
Ah ben, re, le lapin et la chenille. Je me rends compte qu'après chaque combat, en fait, Sarah qui est avec moi là, qui m'accompagne dans cette forêt, elle fait pas que me heal, mais elle me remet aussi toutes mes capacités à fond. Donc en gros, je pourrais farmer vraiment à l'infini, quasiment les niveaux ici. Hein. Niveau 21% de feu. Mais je peux faire un pas, s'il vous plaît? C'est pas possible. Pas utiliser un reboost, hein. Ce serait dommage. Et c'est bon, KO. Bon, est-ce que je vais être agressé sur le buisson suivant, ou est-ce que je peux traverser ce petit champ de buisson? C'est bon. Ok, là il y a des gens. Alors go. Bordel cette forêt en vrai. 5 Pokémon, c'est pas. Un Chunity, un Chunipot. Niveau 13. Magikarp monte au niveau 17, on approche du Léviator, on approche. Psychoquack monte au niveau 17. Alice. Très bien. Il reste que les Unity et un autre Pokémon du gamin de droite, non? Il me semble, hein. Mais oui, c'est ça. Voilà. C'est bon, combat terminé. Confondre un dresseur et un Pokémon quand même. Là-bas il y a une Pokéball. Ah mais attendez, c'est Armurlis et Blindalis, mais c'est... Ils se ressemblent tellement, comment on les différencie? Du coup si... Je suis tombé sur un Blindalis sauvage ou pas encore, ou alors c'est l'évolution? J'ai un doute. J'ai un gros doute maintenant.
Mélocrique au niveau 20. Armulis est blanc avec des sourcils, Vindalis rose avec des yeux triangulaires. D'accord. Donc normalement je suis pas tombé sur Vindalis. Vindalis sauvage, je ne les ai pas encore croisés. Je pense, en vrai, je sais plus sûr. Je sais plus. Une potion. Mais j'ai l'impression qu'il y a que 3 ou 4 Pokémon dans cette forêt. Sérieusement. Où sont les ours? Où sont les loups? Kadabra niveau 19. On tombe sur les deux en sauvage avec un chenipop. Avec un chenipot, on peut avoir Armulis ou Vindalis. D'accord. Et c'est du hasard ça? Ou on peut essayer de jouer avec ce hasard là pour provoquer le hasard? En termes d'évolution, je parle. C'est dans les hautes herbes. Là on a, ok, les deux là, donc je suis passé à droite, je suis remonté par là, est-ce qu'ici il y a quelque chose? Non, donc je dois remonter au milieu, et donc il y a un combat au milieu, très bien. La forêt a quelque chose de mystérieux, très bien, une étrange présence, c'est toi la étrange présence. Ok, deux Pokémon. Psychoquak et Meditica. C'est un médicament. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a une couche. Le Pokémon, il a une couche. Je viens de vous réagir un truc, les adversaires quand c'est à leur tour de jouer pour leur Pokémon, ils font un geste, j'avais pas fait gaffe. Non, oh, Psychoquak, il reste un PV, sérieux. Allez, au revoir Psychoquak. Niveau 22, Luxio niveau 20. Et le combat se termine. L'évolution du chenipot est aléatoire. Ok, d'accord. Donc en gros, faut que... soit j'arrive à attraper le Blindalis si je ne l'ai pas encore capturé, si j'ai un doute. Soit il me faut attraper des chenipodes jusqu'à ce que je les fasse évoluer dans ce que je souhaiterais pour le Pokédex. Voyez où votre vieux château là? Ah, il y a une lumière là. Non, c'est juste gratuit, d'accord, ok. Y'a rien là sur la... Je vois pas. Non, y'a rien. J'ai quand même un doute. Comme tous les vers chenilles Pokémon, ça évolue très tôt au niveau 7. Ah oui, d'accord. Au revoir la pauvre.
Et au revoir, Rose Bouton. Mais laissez-moi voir s'il y a un truc de caché. Quand même. Armulis. Ouais, donc Armulis, je valide, il est dans le Pokédex. Hein. C'est bon, c'est passé. Peut-être quelque chose par là. J'en viens de là ou pas? Attendez. 1, 2. C'est bon, c'est passé. Il y a quoi en bas là? Oui, donc c'est là d'où je viens. Mais j'étais pas monté. Ah, les arbres. Ça faisait ressortir. Ok, donc là on s'en fiche. Donc là on s'en fiche. Donc on avance. 1, 2. A chaque fois c'est le dernier buisson. Hein. Au secours. Hein. Le rose bouton qui joue strat et se fait counter par le vénard, j'avoue. Allez, on y croit. Là, du coup, on va juste manquer le rose bouton. Au revoir. On aurait pris hein, de l'XP sur la forêt en vrai. Pas mal de niveaux auront été pris. Hein. Donc, si l'autre badge n'est pas, c'est qu'un souci. Hein. La forêt n'est pas finie. Mais non. C'est quoi? Un pot de miel. D'accord, très bien. Ok, donc là, oui, là c'est fini, là. Là, on arrive. Tu captures toute la forêt, mais tu n'as rien cherché à capturer dans les herbes au pied des éoliennes. C'est vrai. C'est vrai, et là, je ne captais en fait que le Pokémon Ballon. Je pensais que ce serait quelque chose de visible sans que ce soit dans les hautes herbes, mais en fait, pas forcément, ça peut être dans les hautes herbes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, au revoir. D'accord, très bien. Bah, je pense que l'idée des éoliennes, j'y reviendrai plus tard. Si je me souviens bien, il y avait un passage plus rapide avec ce genre de petit buisson où il y a besoin de coups. Ça évite de repasser par toute la forêt, donc je pense que je reviendrai dans pas si longtemps que ça. Et voici la route 205. Ouais, c'est ça, c'est ce chemin là. C'est ce chemin là. Donc là, on a des pêcheurs. Bon, ben en diagonale. En diagonale. Oh, un Mustéboué. J'aime bien lui, il est trop mignon. Niveau 11, ouais, je l'attrape. Hein.
Là, nous avons plein de baies. Un arbre à miel. J'ai récupéré les baies quand même. Juste les bouées étaient aux éoliennes par exemple. D'accord, ok. Je savais pas. C'est long les baies, punaise. Même en faisant rapide, c'est long. Allez. Oui, c'est B. J'appuie sur A, mais oui, c'est B. Hein. Allez, le dernier. Voulez-vous arroser le sol? Oui. On y arrive. C'est bon? Ok, on voit que le soleil se couche, il était là. 17, oui, 17 heures. Peut-être faire une pause ou couper même directement. Je reviendrai peut-être ce soir. Et là, il y a plein de pêcheurs, et c'est quoi que sinon qui... Ah ben, ça je récupère. Et on arrive dans la ville de Vestigion. Ouais, donc je fais les pêcheurs et je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être ce soir, peut-être, c'est pas sûr. Hein. Ça blablate, très bien. Ah! Ça ne blablate pas! Un Pokémon! Allez, Magikarp! Au pif. Ah non, un poids sirène, d'accord. Encore? Eh ben écoutez, encore le pêcheur. 4, 6 Pokémon? Oh punaise, c'est les 6 Magikarp. Ce sont les 6 Magikarp traditionnels de quasiment chaque jeu. Allez, j'ai presque envie de faire un truc en vrai. Je fais que ça pour le premier. Voilà, ça c'est fait. Quoi qui prend un niveau et puis nouvelle capacité, très bien. 6 coups de boule, je peux faire peur. On va enlever le pistolet à eau. Oui, on change de Pokémon. On va donner de l'XP à Magikarp, justement. Allez, go! C'est parti. Meilleur combat de tout l'univers. Sauf que mon Magikarp est avantagé. Car... Déjà, il est au niveau plus fort. Mais car j'ai charge. Vas-y, Magikarp. Oh mon dieu, ça a duré 50 ans. Oh là là. C'est pas grave.
Ça va durer 50 ans, mais c'est pas grave. Go, Magikarp, go. Prends ton XP. MJ, t'as osé. Ah bah oui. Oui, bien sûr que j'ai osé. C'est la première chose. Avoir un Magikarp sur toi, lui, prendre tout l'XP pour qu'il devienne un magnifique Léviator. Et vu que là, mon Magikarp ne va pas prendre de dégâts, autant en profiter. XP gratuit. Go. Allez, vas-y, tu peux le faire, on croit en toi. Tu finiras pas en sushi. Dernier coup. Ça, c'est fait. Bravo, Magikarp, tu as battu Magikarp. Je suis fier de toi, Magikarp. C'est magique. Il te dit qu'il n'a pas un level 15. Non, non. En fait, c'est à partir du moment où il y a beaucoup de Pokémon de niveau moyen ou bas, c'est soit il a un ou deux Pokémon et c'est tout, mais de niveau un peu élevé, soit il a trop de Pokémon et les niveaux sont un peu plus bas. Donc je ne m'inquiète pas. C'est passionnant. Mais là pour le coup ça me fait rire et j'aime beaucoup ça. Allez, on y croit. On y croit, non. Oui, j'y crois, ça va. Oui. C'est long, mais ça va le faire. Allez, c'est bon. Plus que 3 Magikarp. Le petit coup de canne à pêche à chaque fois qu'il attaque, on dirait qu'il faut aider ses Magikarp. C'est oui, en effet. Non, je veux pas changer. C'est bizarre, la canne à pêche est tendue. Mais le Magikarp, il est pas au bout de la canne à pêche. Mal fait ça. On va dire qu'il y a du vent, ça doit être ça. Un coup. Voilà. Et il reste normalement deux Magikarp. Si j'ai compté, ça fait 6 coups à chaque fois. Mon Magikarp en aura fait 5, donc 6 x 5, 30, donc j'aurais donné 30 coups de charge, si je me trompe pas, et si je sais compter. Tu connais la légende qu'après les 40 trempettes ça fait des dégâts. J'ai déjà entendu ça, mais je sais pas si c'est vrai ou pas en fait. Jamais testé. J'ai là du coup j'ai pas du tout. Bah, en même temps si je fais un coup à chaque fois. Je vais faire, 25, là il sera à 25. Donc, en gros. Car après les 40 trompettes il fait lutte. Mais est-ce que c'est 40 trempettes dans un seul et même combat ou si par exemple une fois que ça part ailleurs, je sais pas, j'en sais rien. Disons que je bats ce Magikarp, je retombe sur quelqu'un qui a un autre Pokémon, c'est pas le même combat. Est-ce que ça on repart sur autre chose, c'est ça, quoi. J'ai quasiment envie de détester en vrai. Mais ça va être long. Hein. Mais l'autre il va même faire le salut avant en vrai. Parce que là, il me l'a fait 6 fois. Allez, 5, disons 5. Donc,
il doit lui rester 20 trempettes. Bon, allez, go, on essaye, on va voir. Allez, go, trempette versus trempette. Mais non, c'est une obligation. Si ton Pokémon n'a plus de PP, il fait lutte. Toi, tu as cherché à coller toutes les charges pour avoir lutte. Ah bon? Mais lui en face, il a que des trempettes. Et là, normalement, si mon trempette a 40, son trempette a lui aussi à 40 en vrai. C'est ça le truc. Donc au pire, et, let's go, et c'est lui qui fait lutte. Moi, ça me dérange pas, hein. J'irai au centre Pokémon après. Hein. Je pense, hein. Mais ça, du coup, c'est un fait avéré ou c'est, ça reste dans la légende en fait. Tout le monde connaît lutte quand même. Ah, tout le monde? C'est pas juste... Je croyais que c'était que Magikarp. Je savais pas. Ça, je le savais pas. On a combien, là? 33. On y est presque. On y est presque. Le combat infini, quoi. Il y a eu un jeu mobile Magikarp, je sais pas s'il existe encore, sur le Play Store ou sur l'App Store, hein, où l'idée c'était que des combats de Magikarp, d'avoir le plus gros Magikarp et de faire sauter le Magikarp le plus haut possible. J'avais bien aimé ce jeu. Je sais plus du tout comment ça s'appelle par contre. Ils ont des PP infinis en face ou quoi? Enfin. On y croit, vraiment on y croit. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il est vrai que Magikarp peut apprendre rebond, une attaque vol en deux tours plutôt puissante avec Fléau au niveau 25. Il y a 4. Ah ouais quand même. Ah ouais. Oui, c'est plaisir. Rebond. Punaise. Allez. Je suis à la moitié, logiquement il devrait plus être très très loin de la lutte le Magikarp en face. Allez, on y croit. Fais quelque chose le Magikarp en face. Non, il a pas envie. Hein. Il a des trempettes infinies en fait. Hein. Il a vraiment les trempettes infinies, le Magikarp en face. Là, normalement, il devrait déjà avoir dépensé les 40.
10. Il a 40 pp comme tout le monde. Bah, il t'en résiste alors lui aussi. Bah non, lui il en reste, il doit en rester moins, c'est parce que c'est le même Magikarp. Attends, non, j'ai mal calculé. Attends, j'ai mal calculé. J'ai complètement mal calculé en fait. Punaise. Allez, la dernière. Suspense. Une charge et une seule. Lutte. Et il s'est fait mal lui-même. Très bien. Charge et c'est fini. Victoire de Magikarp contre Magikarp. Plein de points d'expérience, j'espère. Voilà. 45. C'est tout. C'est pas énorme. J'aurais pas dû prendre ça à la légère. En même temps, t'as que des trompettes, monsieur. Allez, le dernier. Il a 3 Pokémon. Bon. On va pas ressortir le Magikarp quand même. Sirène. Ah, il n'est pas KO en entier. Il a des crampes aux orteils. J'avais
vais récupérer ce que j'avais récupéré. Je viens de là. Et bien voilà. Pause. Je vais couper le stream. Et peut-être je reviens ce soir. Peut-être. C'est pas sûr. Voilà. C'était Jake sur Ivasan Studio. YouTube, vous savez quoi faire. L'abonnement, tout ça. Twitch, la même chose évidemment. Et rejoignez le Discord. Il y a plein d'infos et plein de choses sympas sur Discord. Notamment des jeux gratuits à récupérer chaque semaine. Et tenez-vous au courant de ce qu'on peut faire en dehors des streams évidemment sur les réseaux sociaux et sur notre site. Voilà. Passez une bonne fin d'après-midi. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être. À très vite. Cordialement.